Welcome to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. Ses bontés, pour son amour infini, pour la force qu'il nous donne cet après-midi encore. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, je bénis ton peuple. Je bénis ces moments. Je bénis ta présence. Parle-nous, Seigneur, au travers de ces messages. Viens enflammer nos vies de prière. Viens, Seigneur, nous amener dans une autre dimension dans nos vies de prière. Nous voulons, Seigneur, ou prier et voir les cieux s'ouvrir. Nous voulons prier et voir des résultats, Seigneur. Bénis ces moments au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. I'm so happy to be here and to share the word of God. And I believe that God will do us good this afternoon. May God bless you. Nous allons partager cet après-midi sur ce thème, les armes de l'ennemi pour détruire notre vie de prière. Les armes de l'ennemi pour détruire la vie de prière. Cela fait suite à notre enseignement que nous avons partagé il y a quelques semaines passées où nous parlions de l'importance de la prière. Pourquoi devons-nous prier? Il est vraiment important de savoir pourquoi devons-nous prier. Après avoir compris l'importance de la prière, eh bien, nous nous donnons à la prière. Et le diable n'est pas tranquille quand nous prions effectivement. Il vient, il prépare ses armes pour anéantir, pour déstabiliser notre vie de prière. Alors, il y a deux sortes d'armes de l'ennemi que nous vous allons parler au travers de cet enseignement. Les premières armes que l'ennemi utilise, c'est ce que nous appelons les ennemis de la prière. Et l'autre type d'arme que le diable utilise, c'est que nous appelons les obstacles de la prière. Alors aujourd'hui, nous commençons avec les ennemis de la prière. Mais nous aimerions faire la différence entre ennemis de la prière et obstacles de la prière. Mais avant tout, j'aimerais nous dire ceci. Vous savez, Dieu est un Dieu puissant. Il fait ce qu'il veut. Il y a des choses que Dieu fait et ne demande l'avis de personne. Il y a des choses que Dieu fait et ne demande l'autorisation à personne. Il est fait dans sa volonté, dans sa force, dans sa grâce, dans sa souveraineté. Pour créer les cieux et la terre, Dieu n'a demandé l'avis à personne. Pour créer l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu n'a consulté personne. Vous voyez, quand Christ reviendra, il demandera la permission à personne. Il y a des choses que Dieu fait dans sa volonté souveraine. C'est ce que nous appelons les desseins éternels de Dieu. Vous voyez, il y a déjà la nouvelle Jérusalem qui est là. Il y a des choses que Dieu fait. L'homme n'a pas un mot à dire. Ce sont les desseins éternels qui est au-delà de l'homme, au-delà de l'imagination de l'homme, vous voyez. Il y a l'éternité passée, l'éternité future. L'homme, dans l'éternité passée, n'a maîtrisé rien, ne connaissait rien. Et dans l'éternité future, l'homme n'a rien à dire. Dieu a déjà tout planifié et Dieu a déjà tout préparé. Mais il y a des choses que Dieu fait aussi dans les temps. Ce sont les desseins temporels de Dieu. Et dans les temps, Dieu implique l'homme. Dieu veut travailler avec l'homme. Dieu veut collaborer avec l'homme. C'est à ces propos que la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous voyez ce verset qui dit par exemple, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans sa moisson.
Ceci revient à dire, si vous ne priez pas, c'est comme si le maître de la moisson n'en verra pas. Mais il faut que l'on prie, afin que le maître de la moisson envoie les ouvriers dans la moisson. Donc ceci nous amène à comprendre notre responsabilité par rapport à la prière, afin que nous puissions le faire avec le sérieux possible. Il y a des choses qui t'est déjà accordées, qui sont dans ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Mais pour entrer en possession de cela, il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Il y a des choses qui peuvent arriver dans ta vie, dans ta famille. Si tu veux voir des choses changer, les choses shifter dans ta famille, il faut prier. Il faut prier. You have to pray. You must pray. Tu dois prier. Amen. Alléluia. Mais le diable aussi, connaissant la puissance de la prière, le diable connaissant l'efficacité de la prière, le diable connaissant ce que la prière peut produire, ne te laissera pas prier si facilement. Non, il mettra en place des stratégies, des plans pour t'empêcher de prier. Et c'est ce que nous appelons ici les ennemis de la prière. Les obstacles, la différence entre les ennemis et les obstacles de la prière, c'est situé à quel niveau? Les ennemis de la prière, ce sont des choses, des circonstances qui ne te permettent même pas de prier. Ce sont des circonstances qui viennent détruire ta vie de prière. Ce sont des circonstances qui viennent t'empêcher de prier. C'est ce que nous appelons ici les ennemis de la prière. Donc, tu ne pries même pas. Ça détruit ta vie de prière. Ça t'empêche de prier. Ça t'enlève les goûts de prier. Non, ça t'enlève l'envie de prier et ça ne permet pas que tu pries. C'est ça les ennemis de la prière. Mais les obstacles de la prière, ce sont des choses, des circonstances qui, après avoir prié, bloque l'exaucement de ta prière. Tu peux prier, tu peux te donner à la prière, mais il y a certaines choses, certaines circonstances qui peuvent survenir et que tu peux entretenir, qui devient un frein, un blocage à l'exaucement de ta prière. Pourquoi? Le but de la prière, c'est être exaucé. Quand tu pries et que tu n'es pas exaucé, cela ne sert à rien. Et cela peut constituer aussi un frein, un blocage à la vie des prières. Donc nous allons commencer à parler des ennemis de la prière. Nous allons aussi, le samedi prochain, parler des obstacles à la prière. Le premier ennemi de la prière que nous parlons aujourd'hui, c'est le diable. Bien-aimé, le diable connaît l'efficacité de la prière dans ta vie. Le diable connaît la puissance de la prière dans ta vie. Le diable connaît l'importance de la prière dans ta vie. C'est ainsi, il va mettre tout en place pour t'empêcher de prier. Vous savez, ce verset dit 1-1-1-1-1. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible dit « Enfin, de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Nous ne sommes pas sans ignorer. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Il a des projets, de même manière que Dieu a des projets de paix et de bonheur sur nous. De la même manière que le diable aussi a des projets de malheur, de destruction. La Bible dit dans Jean 10:10, les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger et détruire. C'est ça ce qu'il sait faire. Mais le Seigneur a dit, lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Le diable mettra tout en œuvre pour détruire ta vie de prière. Et c'est lui qui vient semer les mauvaises pensées, qui vient semer toutes sortes de découragements, de paresses, de fatigues dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, afin que tu ne puisses pas te donner à la prière. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 11, la Bible dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Il est rusé, le diable est rusé. Il peut venir te souffler des pensées pour te dire « Ah, mais tu as déjà prié hier, tu n'as même pas vu des résultats, tu veux encore prier ?» Non, il viendra te proposer autre chose
pour te distraire et pour détruire ta vie de prière. Il a des ruses, des raisonnements qui semblent être cohérents et logiques. Mais la finalité, c'est pour te détruire et détruire ta vie de prière. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit « Soyez sobres, veillez ». Soyez sobres et veillez. À chaque fois que la Bible nous appelle à être sobres et à veiller, la Bible nous appelle à la prière. Veiller veut dire aussi prier. Quand la Bible nous dit d'être sobres et de prier, la Bible nous appelle à la prière. 1 Pierre 5, 8, la Bible dit « Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Il rôde toujours, il est toujours là, cherchant qui il devra. Alors, pour que le diable puisse t'avoir, pour que le diable puisse détruire ta vie, pour que le diable puisse détruire ta famille, la première chose qu'il commence à faire, c'est de chercher à détruire ta vie de prière. À détruire ta vie de prière. Une fois qu'il a détruit ta vie de prière, il peut avoir accès dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison et même sur la vie de tes enfants. Vous voyez. Alors, c'est pourquoi il faut veiller à sa vie de prière, savoir qu'il y a, une personne, il y a les diables qui cherchent à détruire ma vie de prière, qui n'aiment pas quand je prie. Ils travaillent de son mieux pour, avec ses démons, avec ses disciples, pour détruire ma vie de prière. Je dois veiller à cela. Donc, le premier ennemi de la vie, de ta vie de prière, c'est le diable lui-même qui cherchera, par des ruses, par des manières frauduleuses, par toutes sortes de stratégies, viendra et essaiera de détruire ta vie de prière. Le deuxième ennemi de ta vie de prière, c'est la chair, ta propre chair. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. La chair n'aime pas les choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous conseille de ne pas marcher selon la chair. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi la chair, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, de telle sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Voyez, Matthieu 26, 41, le Seigneur parle aux disciples, il dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc, si, pour dire que si tu ne veilles pas, tu ne pries pas, la tentation sera évidente, imminente. Mais si tu veilles et tu pries, tu ne tomberas pas dans la tentation. Et Christ dit que la chair est bien disposée. Pardon, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair n'aime pas prier. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Dans Romains chapitre 8, verset 5 jusqu'à 9, tu peux lire à la maison, Romains 8, 5 à 9, la Bible dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. » Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Il y a des gens que je rencontre, quand ils te parlent des choses de la chair, des choses de ce monde, c'est comme si c'est agréable, c'est comme si c'est excellent, c'est merveilleux pour lui. Il dit, oh, nous sommes allés dans cette boîte de nuit-là, on a bu, oh là là, oh, il y avait des filles, on a dansé, les lumières étaient, c'était une grande fête, c'était dans l'ambiance. Donc, il te parle de la chair, il te vante la vie mondaine, la vie de la chair, comme si c'est la meilleure des vies qui puisse exister. Ils s'affectionnent aux choses de la chair, ils aiment la chair. Ils aiment parler des choses de la chair, des vêtements. Ah, tu as vu cet habit-là, je dois avoir ça. Tu as vu ce mon cotoana, tu as vu cette veste-là. Ils sont autour des choses, ils s'affectionnent sur tout ce qui est charnel, tout ce qui est mondain,
ce qui est terrestre. Mais ceux qui aiment les choses de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Christ le dira dans Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, l'esprit vivifie, la chair ne sert à rien. C'est cette chair ne sert à rien. La chair n'est qu'une enveloppe, n'est qu'une enveloppe que Dieu nous a accordée pour un temps, alors que nous vivons encore dans ce monde. C'est un point de contact qui relie notre esprit qui est spirituel avec ce monde physique. Mais cette chair ici n'aime pas les choses de Dieu, n'aime pas les choses spirituelles. Cette chair ici aime les ambiances, aime le monde, aime s'habiller, aime manger, aime boire, aime dormir, aime tout cela, mais il n'aime pas les choses de l'esprit. La Bible le dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit « ne prenez point un soin de la chair ». Dans Romains 13, 14, la Bible dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. N'ayez pas trop soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il y a des gens, quand la chair dit, je veux ça, ok, à vos ordres. Quand la chair dit, je veux manger ça, ok. Je vais aller dans tel concert, ok. Je vais aller dans cette boîte de nuit, ok. Je vais boire tel liqueur, tel vin. Je suis encore jeune. Je vais me réjouir de ma jeunesse. Je vais m'amuser avec les amis. Je vais aller faire ceci. Je vais aller faire l'impudicité. Je vais aller suivre tel film. Ils sont là que pour exécuter les œuvres, les désirs de la chair. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Tu es là, qui est dicté par... C'est ce que la Bible dit, les hommes charnels, qui sont dirigés par la chair, qui sont conduits par les désirs de la chair. Et la chair les empêche de prier. La chair ne te laissera pas prier. Cette chair ne te laissera pas prier. C'est vrai, la Bible dit que vous avez été appelés pour la liberté. Mais seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Dieu nous a appelés à la liberté. Étant chrétien, oui, tu as la liberté de bien t'habiller, d'être propre, d'être présentable, d'être beau. Belle, de bien prendre soin de ton corps, tu as la liberté de pouvoir faire ce qui est agréable à Dieu, même par rapport à la chair, ce n'est pas un péché. Mais la Bible dit seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, pour obéir aux œuvres de la chair, pour organiser, pour plaire aux œuvres de la chair. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, connaissant cela, il disait que je ne laisse pas de room, je ne laisse pas de l'espace, je ne laisse pas ma chair me dominer. Il dit, moi au contraire, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc je contrôle mon corps, je ne laisse pas ma chair prendre les dessus sur moi, mais je les tiens assujettis, je les contrôle, je l'impose des choses. Il faut que l'esprit grandisse jusqu'à ce que l'esprit impose à la chair la volonté divine. Tu diras à la chair, non, ça tu ne touches pas, non, ça tu ne fais pas, telle musique tu n'écoutes pas. Telle chose tu ne fais pas, tel film tu ne peux plus suivre, tel langage tu ne peux plus les parler. Pourquoi? Parce que tu es la chair, mais cette chair est aussi le temple du Saint-Esprit. Moi, des fois, ça m'énerve quand je pense que cette chair ici, malgré tout ce que tu peux lui faire, tout ce que tu peux lui donner, retournera à la poussière. La chair ne sert à rien. La Bible dit, qu'est-ce qu'est l'homme? L'homme n'est qu'un souffle qui apparaît le matin et qui le soir disparaît.
La Bible compare la vie d'un homme à une fleur qui éclore le matin et qui le soir peut faner. Qu'est-ce que la chair? Combien regrettable de voir que beaucoup de gens iront en enfer, rejettent Dieu à cause des désirs, des plaisirs de la chair. C'est pourquoi moi, des fois, je dis à ma chair, aujourd'hui tu manges, je lui parle, je dis, aujourd'hui tu ne manges pas. Aujourd'hui tu ne manges pas. Aujourd'hui tu vas gêner. Amen. Je ne sais même pas comment je prends du poids, mais je ne suis pas une personne aussi qui mange beaucoup. J'impose à la chair, je dis, aujourd'hui tu vas gêner. Des fois, il dit, aujourd'hui tu ne dors pas. Aujourd'hui tu ne fais pas ceci. Aujourd'hui on va prier. Mais il faut imposer cela à la chair. Parce que si tu n'imposes pas, quand la chair domine sur toi, la chair ne te laissera pas prier. Jamais. Jamais un homme charnel aime la prière. Jamais un homme charnel aime les choses de l'esprit. Jamais. Alors il faut assujettir le corps. Il faut le contrôler. Il faut le dominer. C'est pourquoi même quand tu n'as pas envie de prier, même quand ta chair te dit non, va prier, mets-toi à prier, parle en langue, prie. L'esprit va prendre des forces et la chair va diminuer et l'esprit va prendre de l'ampleur et tu peux continuer à prier des heures et des heures. C'est pourquoi j'aime dire, prie même quand tu n'as pas envie de prier. Prie même quand tu ne sens pas qu'il faut prier. Prie. La chair est un grand ennemi de la prière, un grand ennemi de choses spirituelles, un grand ennemi de choses de Dieu. Il ne faut pas céder aux caprices de la chair, mon frère, ma sœur. Il ne faut pas céder aux caprices de la chair. Je suis étonné de voir des chrétiens, des enfants de Dieu, quand il faut se maquiller, quand il faut prendre soin de leur chair. Waouh! Je ne dis pas, je ne suis pas contre de prendre soin de sa chair, non. Mais bien aimé, il faut savoir des choses prioritaires. Donner plus d'importance à ce qui est prioritaire. Et ne jamais oublier que cette chair n'est que poussière et retournera à la poussière. Quel est l'état de ton esprit? Quel est l'état de tes vêtements spirituels? L'état de ta robe? Parce que tu prends soin trop de la chair pour te maquiller, pour te laver, pour mettre les poudres, pour les cheveux, pour ceci, pour les ongles. Tout ça, c'est la chair, c'est bien, c'est pas mal. Mais combien de temps tu donnes aux choses de l'esprit? La chair est un obstacle majeur à la vie de prière. C'est pourquoi dans Galates 2, 20, l'apôtre dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis au nom du Fils de Dieu. Il dit, j'ai crucifié ma chair et ses désirs. Il faut que la chair soit crucifiée. Il faut que le vieil homme soit crucifié. Il faut que tu domines sur le vieil homme. Il faut que tu domines sur la chair. Il faut que ton esprit prenne l'ascendance sur la chair. Et prier à chaque fois qu'il faut prier. Et ne pas laisser la chair dominer sur nous. Le troisième ennemi de la prière, c'est le monde. Le monde comme étant les systèmes établis, la culture, la mentalité du siècle présent. Dans certains endroits, on te fera quoi? Que tu pries parce que tu manques. Pourquoi tu pries? Tu as tout. Pourquoi tu pries? Tout ce que tu veux, tu peux avoir, tu peux l'avoir par tes efforts, par ton travail. Parce que comme si nous prions pour avoir de l'argent ou du travail. Non. Le monde, les systèmes établis, dans certains milieux, quand tu parles, tu dis que tu es chrétien, tu parles de la parole, tu parles de Christ, on te regarde d'une certaine manière. On dit que tu es dépassé, tu vis dans quel monde? Parce que le système veut croire aux gens, prier c'est faire passer son temps. Le monde veut nous faire croire, prier c'est inutile, tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi je vais prier? Je vais prier pour faire quoi? Je vais demander à quoi? C'est comme si on a relié la prière à la demande. Nous prions parce que nous voulons recevoir des choses. Mais non,
Nous ne prions pas pour recevoir des choses. Nous prions pour demeurer dans la présence de Dieu. La prière, c'est nous maintient en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est notre source, il est notre Abba. Nous sommes tirés de lui. Nous prions simplement parce que nous l'aimons et nous désirons demeurer dans sa présence. Nous prions parce que nous savons qu'il y a un vide à nous qui correspond seulement à la grandeur de Dieu. Et ce vide-là, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Pas l'argent, pas le travail, pas ton mari, pas ta femme, pas les enfants. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide-là. Voilà pourquoi nous allons auprès de lui pour demeurer dans sa présence. Mais le monde te fera croire que non, prier, pourquoi? Tu n'as pas besoin de prier. Pourquoi tu vas prier? Le monde, le diable, le Dieu de ce monde, il a établi un système. Il a établi une mentalité, une façon de réfléchir, une façon de penser qui fait que les hommes rejettent Dieu. Les hommes n'ont pas besoin de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1 Jean chapitre 2, verset 15. La Bible dit, le monde entier est sous la domination, sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19. Le monde entier est sous la domination, sous la puissance, sous le contrôle du malin. C'est pourquoi nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes hors de ce système, car notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est céleste. Nous ne vivons pas selon le monde, mais nous vivons selon le système de notre royaume, selon la mentalité du royaume, selon la culture de notre royaume. Parce que si tu veux vivre selon le monde, tu ne prieras pas. Parce que le monde entier est sous la domination du malin. C'est pourquoi Christ a dit, ils ne sont pas de ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous ne sommes pas de ces systèmes, leur raisonnement, leur mentalité, ça ne nous concerne pas parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs du royaume. Nous vivons comme chez nous on vit. Nous parlons comme chez nous on parle. Nous nous comportons comme chez nous on se comporte. Chez nous, on ne parle pas de tel langage-là. Chez nous, là-bas, on ne s'habille pas de cette manière-là. Chez nous, là-bas, dans notre royaume, on ne se comporte pas de telle manière-là. Chez nous, dans notre royaume, il n'est pas ainsi. Ainsi, nous, même si nous vivons dans ce monde, nous ne copions pas des choses de ce monde. C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimé, tu vas subir la pression du monde au travail, à l'école, avec tes amis. Là où tu es, tu vas subir la pression. De telle sorte que dans certains milieux, il est honteux de dire qu'on est chrétien. Non, ce n'est pas honte. N'aie pas honte de le dire, même si tu ne le dis pas, mais ta vie, ton comportement les témoignent. Et ils doivent savoir que non, lui là est différent. Le monde, c'est un système établi pour détruire, infiltrer nos mentalités, nos pensées, afin de nous empêcher de vivre une communion réelle avec Dieu. Et le monde actuel met tout en place pour empêcher l'homme de vivre une communion avec le Seigneur, de prier, de chercher le Seigneur. Surtout nous qui sommes ici en Occident, en Amérique du Nord, en Europe. On vous fait quoi? Pourquoi vous devez prier? Tout ce que vous voulez avoir, vous pouvez l'avoir. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais eux-mêmes là, ces gens-là, quand ils ont des maladies incurables, quand ils ont des cancers, quand ils ont des complications, des choses compliquées qui les arrivent, ils cherchent Dieu. Ils vous demandent de prier pour eux. Un autre ennemi de la prière, le quatrième, c'est l'ignorance. Les gens ne prient pas simplement, je vais aller vite pour terminer ça aujourd'hui, les gens ne prient pas parce qu'ils sont ignorants, c'est simplement. La Bible dit « Mon peuple est péri faute de connaissances ». Beaucoup de gens qui ne prient pas, c'est parce qu'ils sont ignorants.
ils ne connaissent pas l'importance de la prière. Ils ne connaissent pas le pourquoi de la prière. C'est pourquoi nous avions eu le temps de parler en long et en large sur pourquoi devons-nous prier, pour nous amener à découvrir l'importance de la prière. Donc l'ignorance peut amener une personne à négliger la prière et à ne pas prier parce qu'il est simplement ignorant. Il est ignorant. C'est pourquoi Christ est venu éclairer ce monde. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. La Bible dit, les peuples qui étaient assis longtemps dans les ténèbres voient une lumière. La lumière peut aussi être symbole de la connaissance qui apparaît. Bien-aimé, l'ignorance tue. Et l'ignorance est un ennemi de la prière. Le cinquième ennemi de la prière, c'est le sommeil. Le sommeil ne te laisse même pas prier. Nous avions dit, les ennemis de la prière, ce sont des choses qui viennent détruire ta vie de prière, qui ne te laissent même pas le temps de prier, de commencer à prier. Et le sommeil, mes bien-aimés, c'est un autre ennemi de la prière. Il y a des gens qui ont sommeil que quand il faut prier. Il y a des gens qui se mettent à dormir que quand on commence la prière. Quand il faut parler, il faut papoter, il faut... là, il est là, concentré, il désargument. Mais quand il faut prier, dire un mot à Dieu, parler à Dieu, c'est là qu'il est bode et c'est là qu'il commence à dormir. Dans Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41, la Bible dit, « Et il vint, Christ vint vers les disciples, il les trouva endormis, en train de ronfler. Il leur dit, « Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Christ va prier. Il est dans un moment crucial. Il est dans un moment dur de sa vie. Il va prier, il amène les disciples, Pierre, Jean et Jacques, pour les soutenir. Il s'éloigne un peu pour prier. Quand il revient, il les trouve tous en train de ronfler. Christ les réveille, dit, « Mais je vous ai amené pour me soutenir. Vous êtes en train de dormir. Levez-vous et priez avec moi. » Luc 9, 32, la Bible dit, « Pierre et ses compagnons étaient apesantis par les sommeils. » Par les sommets, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et des hommes qui étaient avec lui. Étant apaisantés, bien aimés, il y a des sommeils qui te prennent seulement quand tu pries. Un sommeil doux, profond et léger qui te prend seulement aux heures de la prière. Et c'est pourquoi j'ai prié avec des gens, j'ai vu des gens dire n'importe quoi, des bêtises pendant les temps de prière à cause de sommeil. Ou une personne qui prie sous le sol, son sommeil fatigué, dit, « Seigneur, je te loue, tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs, tu es vanité des vanités. Le seigneur des seigneurs, le roi des rois, tu es vanité des vanités. » Alléluia. Bien-aimés, il y a moyen de surmonter le sommeil. Oui, si tu veux prier, malgré le sommeil, tu vas prier. Tu te lèves, tu marches. Tu te lèves, tu marches. Tu parles, tu marches. Tu te lèves, tu marches. Le sommeil va partir. Mais quand tu es encore au sommeil, tu prends encore une position sur les sofas. Tu vas dormir. Tu ne vas pas prier. Dans le livre des Psaumes 76, verset 6, la Bible dit, « Ils ont étaient dépouillés, ces héros, pleins de courage. Ils se sont endormis dans leur dernier sommeil. Ils n'ont pas pu se défendre, tous ces vaillants héros. Ils n'ont pas pu se défendre. Ils ont été dépouillés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient endormis. Un peu de sommeil, un peu de soupissement, tu seras surpris. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, tu seras surpris. Par l'ennemi. Les voleurs, on dit qu'il vient pour voler, dérober, égorger et détruire. Souvent, les voleurs viennent quand les gens dorment, quand les gens sont dans un profond sommeil. C'est là qu'il vient pour dormir. Bien aimé, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour dormir. Oui, tu as besoin de dormir quand il faut dormir. Quand il faut prier, ne dors pas. Quand il faut dormir, dors.
Mais quand il faut prier, ne dors pas, prie. Quand tu sens que le sommeil est vraiment fort, arrête, va dormir. Et quand tu auras la force, lève-toi, prie. Le sommeil, c'est un obstacle. Et si tu vois que toi, tu as sommeil seulement pendant les heures de prière, bien-aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez, Samson a perdu ses cheveux, les secrets de sa force, pendant qu'il dormait. Oui, c'est pendant son sommeil que Dalila l'a coupé des cheveux. Le sommeil. Il y a des gens qui se comportent comme Jonas. Alors que les choses ne marchent pas, alors que le bateau est sur le point de s'écrouler, lui descend au fond et va dormir. Des choses ne marchent pas dans ta propre vie. Des choses ne marchent pas dans ta famille. Celui-là est malade. Ta femme tombe malade. Tes enfants sont malades. Les choses ne marchent pas. Au travail, il y a des blocages. Au lieu de te lever, de prier, tu vas dormir calmement. C'est comme si les choses vont s'améliorer de soi-même. Non. Sois consciencieux, bien-aimé. Lève-toi. Ne te laisse pas emporter par le sommeil. Prie. Le sommeil ne te laissera pas prier. Le sixième obstacle, ennemi, je parle des ennemis de la prière, des choses qui t'empêchent même de prier, c'est la télévision. La télévision et l'Internet, mes bien-aimés. Aujourd'hui, la télévision, l'Internet, est un grand ennemi à la vie des prières de plusieurs chrétiens. Avec tous ces programmes, avec toutes ces belles images, avec toutes ces séries télévisées, un top modèle, novelas, avec toutes les chrétiens n'ont pas le temps pour la prière. Leur vie de prière est détruite. C'est pourquoi ils peuvent passer 6 heures du temps, 4 heures du temps, 5 heures du temps devant la télévision, devant l'Internet, devant des jeux vidéo. Mais quand il faut prier, une personne prie 30 minutes, même moins que ça, 10 minutes, 20 minutes. Bien aimé, ta vie de prière est déjà détruite, avalée par la télévision, avalée par l'Internet, avalée par des jeux vidéo, avalée par des séries télévisées. Comment tu peux rester devant la télévision 3 heures du temps, 4 heures du temps, tu ne peux pas même veiller une heure, prier une heure dans la présence du Seigneur. C'est comme si la télévision, l'Internet, les jeux vidéo est plus importante que ta vie de prière. Avec les réseaux sociaux que nous avons aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, Fiber, TikTok, je ne sais quoi, les gens passent plus de temps. Si on peut comptabiliser les heures que tu passes par jour sur la télévision et les réseaux sociaux, que Dieu fasse grâce. La télévision aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui, ça devient un obstacle, un ennemi qui tue la vie des prières, qui empêche beaucoup de prier. Et il faut t'élever. Tout cela, bien-aimé, je vous assure, des belles séries-là, des images-là qui te rend captive-là, qui te rend addict-là, de telle sorte que tu dois suivre série par série, série par série. Faites attention, la majorité d'eux aussi, de ces séries-là, c'est les œuvres de l'ennemi. Le diable est derrière ça. C'est pourquoi moi, des fois, si j'ai le temps, je suis un film, c'est fini. Je sais qu'il faut, quand il faut devenir addict des séries qui font 5 ans, des séries qui font 10 ans, des séries qui font 30 ans interminables, et toi tu es addict, tu connais tout. Bien aimé, tu es devenu esclave de la télévision et de ces séries-là. Sors de ces choses-là, libère-toi de ces programmes, libère-toi de ces séries, de la télévision, de l'Internet. Il y a des gens qui doivent gêner leur Facebook. Une semaine, tu log out from your Facebook, no Facebook, for one week, no Facebook, log out, et va faire autre chose. Pourquoi Facebook, Internet, WhatsApp? La première chose, le premier réflexe quand tu te réveilles, c'est le téléphone d'abord. Tu ne penses même pas prier, tu ne penses même pas remercier Dieu. Non, le téléphone, voir les messages sur WhatsApp, voir les messages. Tu es devenu addict, esclave des réseaux sociaux. Sors de ces choses.
La télévision, l'Internet, les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui un grand ennemi à la prière. Le septième ennemi de la prière, c'est le travail, les charges et les occupations. Le travail, les charges, les occupations sont des ennemis de la prière. Comme Marthe qui était occupée par les divers soins domestiques à la maison, travaillant. Il y a des gens qui travaillent, je n'ai pas le temps, travaille. Les occupations, je suis occupé. Les autres qui n'ont même pas le temps de prier. Le travail les a avalés. Le travail a détruit sa vie de prière. Le huitième ennemi de la prière, c'est les visites et les causeries. Il y a certaines visites qui viennent que pendant les heures de la prière, non? Comment toi, tu as des visites seulement pendant le temps? Bien-aimé, je connais des gens, tu viens les visiter pendant son temps de la prière. Il dit, on fait comment? Parce que moi, j'ai un programme de prière. Tu m'attends que je finisse de prier ou je prie avec toi? Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui viennent te voir seulement quand il faut prier. Et quand ils viennent, ils ne sont pas pressés de partir. Donc, ils peuvent prendre 2 heures, 3 heures de causerie. Ils prennent ceci, ils touchent à cela, ils laissent cela. Et toi, en ce moment-là, tu as un rendez-vous avec les rois des rois. Tu as laissé les rois des rois pour parler avec les hommes qui ne peuvent rien te donner. Les causeries, les visites, bien-aimés, tuent la vie de prière. Et c'est pourquoi, moi, je conseille aux chrétiens d'avoir des amis chrétiens. Un chrétien, il est, bien aimé, des amis dans mon sphère, dans mon cercle privé, des amis païens, non? Parce qu'avec des amis chrétiens, on peut parler un peu. J'ai dit, bon, moi, je voulais prier, on fait quoi? On prie, ah, oui, on peut prier, on prie ensemble. Du moins, ma vie, mon temps de prière n'est pas à part. Mais toi, des amis païens qui viennent là, qui te parlent aussi de ces bêtises, de ces filles, de ces conquêtes, toi aussi, tu es là, tu es en train de rire. En tout cas, toi, hein, il faut que tu abandonnes ça. Bien-aimé, prends-le au sérieux, prêche-le au sérieux, condamne cela. Ne ris pas avec toutes les bêtises. Non, ne ris pas. Amen, amen. Je vais vite pour terminer. Le neuvième ennemi de la prière, c'est le manque de détermination. Cette nuit, on va veiller. Je suis déterminé, je me suis décidé cette nuit de veiller. Le dixième ennemi de la prière, c'est le manque d'ambition et de rêves pour Dieu. Vous savez, quand une personne n'a pas des ambitions pour Dieu, quand une personne n'a pas des rêves avec Dieu, il n'a pas une vie de prière conséquente. Mais quand tu as des ambitions avec Dieu, tu as une passion avec Dieu, tu as des rêves qui brûlent en toi, ça va te mener à prier parce que tu sauras que ces rêves-là, ces ambitions-là, je ne pourrai pas les réaliser par moi-même. Il faut une main invisible, une force surnaturelle que j'ai besoin pour réaliser ces rêves. Alors ça va te pousser à les prier. Ça va te pousser à les prier. Mais quand on n'a pas des rêves, on n'a pas des ambitions, on n'a pas des projets avec Dieu, on ne va pas trouver un intérêt de prier. Il y a aussi des fausses religions et des faux enseignements qui sont des ennemis de la prière. Il y a dans certaines religions, dans certaines églises, on te dit chanter, c'est prier des fois. De telle sorte que tu te mets à chanter du matin au soir, tu penses que tu pries. Non, chanter, c'est chanter. Prier, c'est prier. Amen. Chanter, c'est bien, mais prier, c'est mieux. Chante et prie. Prie et chante. Prie. Il y a dans certaines régions, on te donne seulement un chapelet, des trucs comme ça, un fil, des boules, des chapelets. Tu fais passer ça entre tes mains, tu penses que ça, ce n'est pas la prière. La prière, c'est parler avec Dieu, dialoguer avec Dieu. Des fausses religions, des faux enseignements peuvent aussi être un ennemi de la prière. 12, un autre ennemi de la prière, c'est la culpabilité. Vous savez, la culpabilité vient détruire la vie des prières. Quand tu as commis une faute, tu as commis un péché, le diable peut maintenir la culpabilité en toi. Tu as avorté, il te dit, oh, tu as avorté, toi serviteur, toi servante. Cette culpabilité-là
peut te détruire et ne peut, peut t'empêcher d'aller prier, d'aller parler à Dieu. Bien-aimé, ce sont là quelques ennemis de la prière, des choses qui peuvent détruire notre vie de prière. Et quand nous connaissons cela, bien-aimé, nous allons nous engager à la vie de prière et décider de prier, peu importe ce qui arrive. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Tu nous as parlé aujourd'hui sur les ennemis de la prière, des choses qui nous empêchent de prier. Seigneur, donne-nous à surmonter ces choses, à surmonter ces ennemis de la prière et à nous donner à la prière, matin, midi, soir. Enflamme nos vies de prière. Fais-nous du bien. Bénis ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Merci.